c'était Gizmo 64, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va super bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur... On va découvrir un jeu, les amis, on va découvrir ensemble le jeu Tekken 7. Pour ceux qui ont déjà joué, ça sera pas une découverte, mais pour moi, oui, car j'ai rarement joué. Mais bon, c'est parti, on commence maintenant. Je check mon micro parce que j'ai pas le même micro. Bon, c'est parti. Français, ben oui, je sais pas, ça parle japonais. On va faire un match versus les amis. Ouais, les persos qui ont rajouté. Il y a des persos en DLC qui s'en viennent. This tournament 7. Et quand même, il y a des monstres perso. Et je l'ai, mais pas débloqué encore, bizarre. Moi j'étais sûr de l'avoir installé, mais bon, j'ai un peu de code en tout cas. Ouais.
for the next battle. Bon. Ok, ouais, c'est parti. Le gars, c'est Bane quasiment. Bane pétueur. Round 1. Fight. Oh là 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 là, je vais le mettre en pièce pour qu'il soit, il faut pas le pouvoir. KO. Ouais. Round 2. KO. Fight. Iron Fist Tournament 7. Un panda. Un ours. Devil Jim. Gladio Serafino. Okay, right. Darling, you're just this. No. Non. Entraînement, faut aller dans l'entraînement, je pense, ouais. Welcome to the King of Tournament 7. Bon. Il y a Noctis en DLC. Bon, pas grave. Pas de l'apparence. Ok, qu'est-ce qu'on va tuer la couleur. Devil Jin. Bon. Jack 7. Parti. Quand même, il y a quand même un bon choix de reine. Oh, ça devait pas payer par contre. Ok, ça va. Bon. Ah, il y a des vidéos en plus. Et c'est bien passé pareil. Ouais, vraiment pas pire. Bon.
C'est reparti. Bon. Non, le mode d'entraînement, vraiment, je décroche. Vraiment, c'est stupide. Revenir au menu principal. Je pense que je vais faire l'histoire. On va faire le mode histoire, je pense. Histoire de la saga Mishima. Ouais. On va mettre un niveau. Ben oui, hein, on va pas se casser la tête non plus. Les poteaux. Bon. Pour moi, ce jeu est une totale découverte. Je me souviens de la première lettre de mon fils il y a quelques années. Scribblé sur elle, j'étais à l'époque, pour quelques années maintenant, et j'ai réussi à obtenir un hold de la première lettre que le garçon a écrite à son père. It said, Father, one day, I will tear you to pieces. Bon. Ouch. Il est méchant. Lol. Lol. Ah, font fou les Japonais pareil avec leur jeu. Lol. Ouais, le petit kid doit frapper son père. Lol. Ouch. Ah, what the... Et fais encore de ta prochaine... dans ta prochaine vie. Lol. Aïe aïe. Le père il dit ça à son fils, ça c'est encore la prochaine vie. Aïe aïe donc. Non! 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 Oh non! Oh shit! Ah, c'est une horde. Il va le crier en bas, non! Prends ton enfant par la main avant d'être crissé dans le ravin. Lui, il a, lui, il a tout, lui, il a compris cette tonne-là. Oh non, mais Chris, c'est quoi là? Là, c'est quoi là? Faut que j'appuie sur une touche. Ou j'attends. Ouais, je pense qu'il faut que j'attende. Tease, jeter, bon. Bon. Ah, ok, c'était les deux touches. X et Y, ouais. Bon. Tekken 7. Eh bien, ça commence bien le jeu. Là, tu fais crisser dans le ravin, ouais. Ah, Master Chief! Ah, il y a des Master Chief dans le jeu? Ah, pourquoi pas, il y a des Master Chief dans Tekken. Ben oui, pourquoi pas. Les mecs avec leur char, d'après moi, je pense qu'ils se sont trompés de jeu. Ils se sont trompés de jeu. Ils disent, oh, on s'en va, bon, trompé de jeu. On n'est pas dans Halo finalement. On est dans Dune. Ah! Un Medjay. Ah, ben, il y a un Medjay dans le jeu, mais j'en ai re le cul.
Ah tiens. Oh, elle est canon, elle. Un petit look Sonya Blade. On sent l'inspiration. Ça transpire l'inspiration, ce jeu-là, mais l'histoire, les cinématiques sont vraiment popées. Jean Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. On va pas faire de la cinématique pour tout. If there were demons in this world, what form would they take? The answer to that question, that day, gathering when I headed, I was dumbstruck. How could my hometown, when I returned, the roads used to be quiet. Now, le jeu est vraiment beau, il y a comme une esthétique vraiment bien travaillée, honnêtement. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred. Malade. Enfin un combat il était. Et ça continue. Bon. Oh shit, c'est qui est... Ah, qui c'est elle, ouais. What do you want now, Heihachi Mishima? Un deuxième round. Fight.
C'est le but. Bon. Jin が消息不明である今。三島財閥を立て直せるのはわしを置いて他におるまい。貴様には早速働いてもらうぞ。久しぶりだな、全世界の諸君。わしがここに映っている意味がわかるか。見よ、三島財閥は再び我が手に戻った。ということはもうわかるであろう。全世界の格闘家たちに告ぐ、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントの開催をここに宣言する。Excuse me, sir. Just now.知っている。うん。平八。やはり生きていたか。Why on earth would you want to hold a tournament now like this? 説明は後じゃ。出立の準備をせい。おだおだするな。見ておれ。まもなくすべての舞台が整う。Well.I found myself staying in a cheap hotel. Reports on the health news of Hayden announcement flooded the airwaves day and night. But none from my drab were looking for the concept who torched my hometown. The Mishima Zaibatsu, or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me.And offered me a raid in the form of an expose on G Corporation. Uh.
Bon, à date, j'aime bien ce que je vois à date. J'aime bien les graphiques. Les graphiques, je trouve qu'ils ont un peu un côté. Comment je pourrais dire? Pas fashioning, mais un côté un peu manga, je trouve. Mais je trouve ça comme pareil. Je trouve que c'est original des jeux de combat de même. Des jeux d'arcade à l'ancienne. Je vous dis, ça fait pas trop cartoon, ça fait pas trop réaliste non plus. Bon. Hey, toi, c'est bon, ouais, ça défoule des jeux de même, lol. Bon. Shit, ouais. Oh, bam! J'aurais pas aimé! BFK, toi. J'aurais vraiment pas aimé être à sa place. Ah lol. Il est pas content. Bon. It all started with an explosion in the heart of the Mish. At the time, truths after the explosion came the bon, sur ce, les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vais vous dire avant tout, avant qu'on se quitte, je vais vous dire les jeux de combat que je préfère. La liste est quand même grande, mais pas si grande que ça. Je préfère les Super Smash Bros, les jeux de Super Smash Bros.
les Mortal Kombat. J'aime aussi les Taken. Taken, j'en ai joué à un ou deux. J'aime le design un peu des personnages, mais c'est pas un de mes jeux préférés, mais j'aime quand même le design des personnages. J'aime aussi la jouabilité, qui me fait penser un peu à, si je peux comparer, fait penser un peu à Street Fighter, qui est un de mes jeux de combat préférés également. J'aime aussi le Injustice 2 de préférence. Le 1, je l'aime bien aussi, mais le 2, je le préfère. J'aime aussi un jeu, une licence aussi que j'aime de combat, qui est une licence aussi vieille que les Street Fighter. Il s'agit de la licence qui porte le nom de, comment ça s'appelle déjà, Killer Instinct. Voilà, Killer Instinct, qui est des monstres qui tapent dessus, mais aussi j'aime bien aussi le vraiment qu'est-ce qui s'en rapproche un peu plus, c'est Soul Calibur. J'aime bien aussi les Soul Calibur, j'aime bien les jeux de baston. Vous en aurez des fois des vidéos de jeux de baston sur ma chaîne, vous en aurez des fois. C'est rare, mais vous en aurez quand même parfois des vidéos de jeux de baston. Mais bon, voilà, comment je trouve ce jeu? À date, c'est un jeu qui a des points positifs, des points négatifs. Points positifs, c'est les combats sont vraiment bien foutus. Point négatif que je trouve, c'est le fait de d'intégrer une histoire au jeu, l'histoire des Mishima, qui est une histoire un peu vite expédiée, je trouve qu'est une histoire un peu vite expédiée à part de ça, puis le fait surtout d'intégrer un perso. Et le fait surtout d'intégrer l'histoire des Mishima, une histoire qui est repris. Mais c'est ça, à part de ça, je trouve quand même le jeu est quand même jouable. C'est quand même très les combats, ça défoule, ça c'est garanti. Et là, combat au trésor, c'est quoi ça, combat au trésor? On va essayer combat au trésor avant. Je me demande c'est quoi, c'est... Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ah, ok, c'est ça. C'est le mode que je cherchais. Voilà, c'est tu bats un contre un. Mais je trouve que les persos sont vraiment bien designés, comme elle surtout. Je l'avais en DLC, me semble, je sais pas. Mais bon, je trouve que les persos sont vraiment bien faits, honnêtement. De ce côté-là, c'est vraiment bien foutu. Raven. Enfin, ce côté-là, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est le seul affaire, c'est le scénario qui... qui est un peu mélange, qui est esthétiquement beau, je veux dire, les graphiques puis tout, c'est beau, s'il y a des scènes d'action, des scènes de combat, mais voilà, ça aurait pu être juste un jeu de combat un peu à la Street Fighter, ça aurait fait autant la job. Mais à date, j'aime bien. Commencing mission. Entspann dich. Du schaffst es. Round 1. Okay, ouais. Fight. Ok, ça c'est des combats à deux rounds, ouais. Bon. KO. Round 2. Fight.
C'est des bons jeux, les jeux de combat, je trouve que c'est des bons jeux quand tu veux te bastonner avec ton ami, avec tes potes, quand tu veux te bastonner avec tes potes. Pour ça, c'est des bons jeux, des jeux que je joue rarement à cause de ça, à cause que t'es fait pour jouer à plusieurs, autrement dit. Mais c'est quand même très intéressant. Bon. Sur ça, les photos, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ainsi que un abonnement à ma chaîne, c'est beaucoup du fou plein avec le général. Et sur ça, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao les photos, c'est Xbox 64, là où la sur Vlog Gaming Movie, là où la qualité prime sur la quantité. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao les photos.